Et bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle soirée avec On Fait Tout, On Fait Deux. Ce soir, je ne serai pas accompagné d'Artagon, mais je vais essayer de me débrouiller tout seul. Salut Cléocat, how are you, Ok, allez, c'est parti, on va essayer de remplir un maximum de défis ce soir. Et d'y aller doucement, hein. Allez. You and I will travel a ways together. I will teach you all I know, and you will destroy he who has taken my place. Donc le défi qu'on avait fait la semaine dernière, qu'on avait tenté de faire et que j'avais échoué jusqu'à la fin. Salut la belette, c'était le dire au fond, c'était notre enquête. C'était notre fameuse enquête. On va essayer de la refaire dès le départ, en début de soirée. Et j'espère que ça va bien se passer. Je vais juste regarder quel compagnon j'avais. Et voilà, je préfère que ce soit le vagabond qui m'accompagne. Ouais. Allez, c'est parti. Alors n'oubliez pas, durant le jeu, vous pourrez voter. Hein. Ah, la belette, je n'ai pas ce soir Artagon avec moi, mais peut-être qu'il regarde le stream. Callus has done with the game. He will have made changes, that is certain. How these changes will impact, I know not. I have tried to anticipate him here as I train you. I have built as many different scenarios as I can muster. You must be ready when we arrive. Ah, il est bavard ce soir, le dealer. Allez, on commence à l'auberge du mûrier. Avec les encouragements de Malaclips en tête, ne les jugez pas sur quelques petits meurtres. Vous vous retrouvez assis en face du chef aux habits somptueux de la guilde des voleurs. L'un des chefs en tout cas, c'est une organisation secrète après tout. Il boit une gorgée de vin et s'enfonce dans son siège en savourant. Je suis destiné à mourir. Ainsi commence le récit, avec la désignation d'un nouvel assassin. Nous sommes trois nuits avant l'assassinat. Je suspecte que le coupable est l'un des miens. Avec les hochements de tête discrets. Ah, merci la belette. Avec des hochements de tête discrets, il désigne un homme barbu, une femme aux cheveux rouges et un homme aux yeux gris. Borden, Rowena et Grindan, mes trois suppresseurs attitrés. Je suis sûr que l'un d'eux m'a laissé cette note. Quand la flamme de la bougie rouge s'éteint, lors de sa dernière soirée à l'auberge du mûrier, les péchés du faux prêtre seront pardonnés. Il montre du doigt une bougie rouge sur la cheminée. Il semble que l'assassin privilégie la théâtralité à la discrétion. Tu me dis hein, si le son est bon pour vous. Salut, Blue Fenrir, Donc là, il me dit trouvez l'assassin pour moi. Pour ce faire, vous aurez probablement besoin d'or. Les voleurs sont prêts à raconter n'importe quoi pour de l'or. On va déjà demander des informations pour l'assassin. Donc là, il nous redonne la même note. Il n'y a pas besoin de la relire. Alors, voilà. C'est là que ça va changer. On va demander des informations sur tout le monde. Borden est le doyen de mon équipe. Un homme simple et anxieux. Je doute fort qu'il ait le cran ou la subtilité nécessaire pour m'assassiner, à moins qu'il n'ait dissimulé sa vraie nature depuis toujours. Galfrey a déclaré que Borden a travaillé pour lui pendant une longue période. Ça n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. Pour lui délier la langue, je pense que le plus facile est de le faire boire. Donc là, cette fois-ci, la voix, ça colle, c'est bon? Ok. Pour délier la langue, je pense que le plus facile de faire boire. Donc, pour Borden, c'est la boisson. Donc, c'est facile à retenir. B, boisson, Borden. On va maintenant demander des informations sur Rowena, la femme. Rowena travaille pour moi comme suppresseur depuis que je suis devenu chef et cela fait déjà bien longtemps. Bon, pareil, un même topo. C'est notre troisième indice.
La jauge des indices se remplit à droite. Il faudrait trouver 19 sur 19 pour avoir le score max. Alors, je lui ai demandé d'infiltrer la 3e légion de l'armée impériale et d'éliminer leur capitaine. Ce qu'elle a fait de manière efficace, évidemment. Donc, Gallifrey a déclaré que Rowena était dans la 3e légion. Et il lui avait demandé d'éliminer leur capitaine. Je soupçonne qu'elle n'est vraiment loyale qu'à l'or, mais elle fait partie de l'élite de la guilde et il serait vraiment dommage qu'elle tente de m'assassiner. Oui, c'est l'or qui compte, ma maman. En plus, que l'or risque de me faciliter mes lancers de dés, hein. Et oui, ça, je m'en suis rendu compte. Et enfin, sur Grindan, l'homme aux yeux gris. Grindan est sous mes ordres depuis un moment, donc pareil, hein. Il raconte souvent des histoires extravagantes, dont la plupart ne sont que fiction. Je me méfierais de ses exagérations, même s'il n'est pas l'assassin. Et en particulier quand il a trop bu. Bon, trouvez l'assassin pour moi. Pour ce faire, vous aurez probablement besoin d'or. Les voleurs sont prêts à raconter n'importe quoi pour de l'or. On va juste demander des informations sur lui. On me nomme Père Gallifrey, mais ce n'est pas mon vrai nom, bien entendu. Je m'occupe des comptes de la région. Sur ce, il vous congédie et vous vous dirigez vers votre lit en vous demandant comment Malaclips est parvenu à vous convaincre de vous lancer dans cette histoire. Je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Ah, un maman. Attends, t'es peut-être un peu fort dans le Discord, je vais peut-être un peu le baisser. Ah non, c'est ultra faible. Ah bon? Ah oui. Non, non, mais le Discord sur le stream. Ah oui, non, mais toi, je t'en parle ultra faiblement. Mais c'est bizarre d'ailleurs. Attendez, je vais regarder un truc. Un instant. Poyo la compagnie, Poyo le staff, Poyo le chat, Poyo Azure, Poyo. Voilà, ça devrait être un peu mieux pour tout le monde. Alors, bon. Donc, on se retire. Voilà. Donc, j'ai pris les mêmes cartes que la semaine dernière. J'ai pas touché au deck. Donc on va avancer à notre première carte. Ah, on commence bien ce soir, la vieille dame. Vous pouvez continuer à voter, hein. N'oubliez pas, votez. En traversant une sombre forêt, vous rencontrez une vieille dame frêle. Elle s'arrête pour vous saluer. Pendant des siècles, j'ai aidé les mortels perdus dans ma forêt. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour faciliter votre voyage? Bon là, je vais demander de l'or. À ce stade du jeu, je vais demander de l'or. Qu'est-ce que t'en penses, Artego? Money. Ouais. Aucune somme d'or ne peut satisfaire les mortels, mais si tel est votre désir, dit-elle d'une voix chancelante, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des lustres. De l'or. Alors, on est ici. On va aller à droite. Ah. Bah non, là on va continuer à explorer. Ça sera, on retournera là tout à l'heure quand on aura fini. Déjà aller à gauche déjà, ici et là. Gobelin. On va voir notre première séquence d'action. Un bruit sec vous alerte. Que vous êtes en train de vous faire délester de quelque chose. Vous tombez dans une embuscade. Vous vous retournez et voyez des gobelins s'enfuir, ricanant et vous montrant du doigt. Sans avoir le temps de vérifier ce qui a été dérobé, vous vous lancez à la poursuite des diables voleurs. Venez à bout des gobelins avant qu'ils ne soufflent dans leurs cornes et ne s'échappent. Quelques bandits de grand chemin émergent des buissons pour protéger les gobelins, la guilde des voleurs. Allez, c'est parti, Bon, là, il faut que je me souvienne de ne pas spammer ma manette. Ah. Allez, on va se focaliser déjà sur les gobelins. Ça marche.
toi. J'ai pas été bon. Un gobelin a disparu avec votre hache de guerrier. Non mais c'est pas vrai ça. Comment je fais pour me battre moi? Les gobelins dans les chapeaux. Vous avez l'impression que les chapeaux sont un facteur clé de la complicité entre ce nouveau gobelin et la guilde des voleurs. Une fois les gobelins vaincus, vous fouillez leurs dépouilles pour trouver des objets de valeur. Bon, je récupère le fléau de l'hiver. Je vais remplacer. Ouais. Alors, je vais voir. Je vais peut-être camper parce qu'il me reste plus de beaucoup de vie. Et il faut que j'achète quand même un peu de nourriture parce que là... Alors, achetons de la nourriture, mais pas trop, juste ce qu'il faut. On pourrait vendre comme équipement. L'épée de soldat, je peux la revendre. Ça va m'aider. On va étudier les indices. Bon, les indices n'ont pas bougé par rapport à la semaine dernière. Ça sera vraiment les propos des uns et des autres qui détermineront qui est le menteur ou pas. Un peu le son du jeu parce que c'est un peu fort et vous m'entendez pas beaucoup, j'ai l'impression. C'est mieux pour vous comme ça? Alors, un magasin, bah, c'est parfait ça. D'avis, c'est très cher, 8. Encore acheter de la nourriture, je vais voir à combien ils la vendent. Non, il faut que je garde mon argent. Allez, on va quitter les shops et puis on va se rendre à la berge du mûrier. Alors, ce qui est bizarre, bon, on peut passer au niveau suivant. Vous entrez dans l'auberge du mûrier et trouvez le père Galfry assis à sa table habituelle près du feu. Vous asseyez en face de lui. Il inscrit des chiffres sur l'un des nombreux rouleaux de papier joncés sur la table, puis lève la tête vers vous. 3 jours avant que l'assassin ne s'en prenne à moi, et 3 suspects. Intéressant. 3 jours pour mettre au jour le menteur. J'aimerais que vous suiviez l'un de mes suppresseurs sur une mission. En l'occurrence, obtenir des informations contre des échanges de bons procédés. Si besoin, vous pouvez payer pour les obtenir. Allez, on va faire dans l'ordre, on va aller avec Borden. Borden va récupérer des lampes à port naufrage qui ont, pour ainsi dire, changé de propriétaire. Marquez le point de rencontre sur votre carte et vous vous retirez pour la nuit. Donc le point de rencontre, il est... Vous voyez là, justement. Je pense qu'on va essayer d'y aller directement.
Alors, je peux choisir de camper. Il me reste 3 unités de nourriture. Et il y a 1, 2, 3, 4 cartes. Pour l'instant, on va économiser. Alors, vous vous rendez à Port Naufrage en chariot. Le trajet se passe en silence jusqu'à ce que Borden se tourne vers vous et demande très sérieusement. Qu'est-ce que vous pensez du chef? Lui dire que c'est un honneur de travailler pour un homme tel que lui? Lui dire qu'il est difficile de cerner le père Galfry? Bon, on va dire que c'est un honneur, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Borden sourit à votre réponse. Ah. Borden vous fait un peu plus confiance. Au port, un pirate chargé de lampes volées vous accoste. Borden lui livre un sac de pièces d'or, probablement en paiement. Le pirate bizarrement pâle, secoue la tête. Non, il sort un seau rouillé son épée. Je veux du sang. Son sang. Voilà, non, je peux pas. Il me reste que 53 de vie. Je vais mourir, là, si je donne mon sang. Là, je refuse, là. Le pirate met tristement son seau de sang de côté et Borden lui donne de l'or à la place. Borden vous fait un peu moins confiance. Ouais, bah, ramamamam. Vous récupérez les caisses de lampes volées et vous les empilez dans le chariot. Puis vous prenez la route. Quand vous arrivez au point de livraison, Borden est soudain submergé par ses émotions. Désolé de vous avoir demandé de donner votre sang. Je suis une personne horrible, n'est-ce pas? Essayez de le réconforter, lui dire qu'il est en effet une personne horrible. Bon, on va jouer le jeu, on est en mission après tout. Bon, alors là. The pendulum is ever changing, and the challenges it presents change too. Le son. Là, il faut écouter le son pour savoir quand frapper. Oui. Nicely timed. Borden vous fait un peu plus confiance. Borden a l'air anxieux, comme s'il avait très envie de partir. Je devrais y aller. Demandez ce qu'il pense du père Galfry, lui demander quel est son plat préféré, poser des questions sur sa famille, poser des questions sur son passé. Alors, donc là, le plat préféré, ça j'en ai rien à faire pour l'instant. Les questions sur le passé. Ouais, c'est important d'avoir les informations. À mon avis, on va essayer d'avoir 8 pièces d'or. Allez, il me faut un 10. Oui! J'étais fermier avant. Ah, ça m'avance pas grand chose. Le chef s'assure toujours que la distribution des gains est équitable. On peut difficilement demander plus dans une guilde de crapules comme la nôtre. J'ai demandé des questions sur sa famille. Là, ça se paye. Pour encore un peu d'or, je vais essayer d'économiser un peu là-dessus. 12. Quel dé relancé. Ah. Pas le 5, ça c'est... Oui, non, pas le 5, ça c'est certain. Je vais relancer les deux autres. Oui. Ah, pas mal. Victory, you are learning. Borden semble se ragaillardir. Oui, j'ai une très belle femme. Je ne la vois pas beaucoup puisque je suis souvent en déplacement pour le travail. Borden a déclaré avoir une belle femme. Je lui ai demandé quel est son plat préféré. Oh, le clafoutis ou peut-être la tarte aux pommes. Borden commence à transpirer, probablement angoissé par la question. Et adieu, et on va se retirer pour la nuit peut-être. Vous demandez à quel point Borden vous a menti aujourd'hui. Alors, camper. Je vais essayer de camper parce qu'il faut que j'achète quand même de la nourriture. On va voir si je peux, en acheter. Est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour ça? J'ai pas assez d'argent. J'ai pas assez d'argent malheureusement. Qu'est-ce que je pourrais vendre comme équipement? Bah, je peux vendre que le fléau de l'hiver, mais j'en ai besoin. Je peux pas me battre avec mes mains. Hein.
pot inventaire, j'ai pas tellement le choix. Hein. Ah si, attendez. J'ai la hache de villageois qui me reste, mais est-ce qu'elle est rouillée? Elle est rouillée. Rouillée, rouillée, rouillée. Ça veut dire quand c'est rouillé qu'on ne peut pas vendre. Donc je suis coincé. Je ne peux pas acheter de la nourriture. C'est catastrophique parce que j'ai pas assez de bouffe. On va étudier les indices. Qu'est-ce que Galfrey avait dit? Donc il avait travaillé pour lui, Borden. Que Borden disait plus de vérité quand il était ivre. Et qu'il a que Rowena était dans la 3ème légende de l'Empire. C'est l'argent pour Rowena. Grindan, longue période aussi. Et il lance des accusations quand il est ivre. Bon, on n'est pas beaucoup avancé pour l'instant. C'est qu'il a une belle femme. Voilà, je vais réécouter. Oui, il a une belle femme, voilà. Bon. On lève le camp. Hello little regard, How are you? Ah, bonne fortune, merci beaucoup, Ah, ça m'aide, merci. Vous pouvez voter, cast your vote for the next one, pour le prochain vote. Vous entendez des cris s'élever devant vous. En descendant la rue pavée, vous apercevez des lumières vacillantes en face de vous. En approchant, vous apercevez un bâtiment en flammes. De la fumée s'échappe des fenêtres. Une foule s'est amassée à l'extérieur, en passant des seaux d'eau à la chaîne pour apaiser le brasier. Alors que vous frayez un chemin à travers la foule, vous apercevez une femme implorant les villageois. « Je vous en prie, aidez-moi! Ma famille est prise au piège! Pitié! Aidez-moi !» Bravez-vous même les flammes, laissez Colbjorn se charger du sauvetage, déclinez l'offre. Bon. Il nous faut de la notoriété, il nous faut des choses. On va essayer de braver les flammes. I'm not a vain man. You must appreciate that the game, this game, has been my focus for more years than I can count. I have a certain pride regarding its twists and turns. Ok, il faut que j'arrête la roue au bon moment, sachant que ça va pas s'arrêter immédiatement. Ah! À travers les nuages de fumée, vous trouvez la plus jeune fille de la famille pleurant sous un lit. Vous lui parlez doucement pour la faire sortir. Prenez dans vos bras et l'extirpez de ce brasier. Un villageois accourt à votre aide. Merci, brave mercenaire, je peux m'occuper du reste. Mais faites attention, le bâtiment n'est pas sûr. Il va bientôt s'effondrer. La femme étreint son enfant puis se tourne à nouveau vers vous. Mon mari? Avez-vous vu mon mari? Il est toujours à l'intérieur, je vous en prie, aidez-moi! Le dealer ajoute une autre carte perte, vie au tirage de la roue. Allez, on repart pour un tirage. Là, ça va pas être facile. Hein. Je suis blessé, Dans un fracas soudain, la poutre au-dessus de vous s'effondre. Vous blessant et vous barrant la voie. Vous rebrouchez chemin et sortez du bâtiment. On essaye encore une dernière fois. Oui! Vous tombez sur le fils qui cherche à échapper de la fumée et aux flammes. Vous le prenez par la main et l'emmenez en lieu sûr, à l'extérieur. Bon voilà, c'est la même chose. Le bâtiment va s'effondrer. On va essayer de sauver la dernière personne. Ça tourne de plus en plus vite là. Ah, ça va être difficile. Un torrent de flammes jaillit en vous brûlant, tandis que vous vous jetez hors de la pièce. Le corps meurtri, vous parvenez à sortir du bâtiment en un seul morceau. Le bâtiment s'effondre au moment où vous parvenez à en sortir. Bien que vous n'ayez pas pu sauver tout le monde, les villageois vous sont reconnaissants de vos efforts courageux. Vous gagnez 8 en notoriété.
Bon, Raum, il faudrait que je trouve de la nourriture, moi. Je vais essayer la carte du milieu, comme ça, si je dois retourner en arrière, au moins j'aurai un déplacement au moins à faire au milieu. Gobelin, ah. Et voilà, c'est reparti. Séquence gobelin, Allez. Voici, on va éviter de spammer la carte, la touche attaque. Allez. Ah. Non, c'est pas vrai, j'étais juste en bordure. Non, 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 non. Non, c'est pas vrai, j'ai quasiment plus de vie. Non, non, non. Ah là là, je suis quasiment mort. Vraiment que je prenne de la vie quelque part. Je mange, il faut que je fasse quelque chose. Bon, on a tout récupéré. Votre bourse vous paraît plus légère, les petits voleurs. Est-ce que l'un d'eux a aussi croqué une des tartes dans votre sac? Une fois les bandits vaincus, vous fouillez leurs dépouilles pour trouver des objets de valeur. Ah, de l'équipement. Extincteur. Résistance au feu, 40% de dégâts au moins. Vous pouvez équiper autant d'anneaux que vous voulez à la fois. Waouh, j'ai combien de doigts de pied et de doigts de main? Ah, la nourriture. Ouh là là. Il faut vraiment camper. Il faut vraiment que j'achète de la nourriture. Là, je vais déjà voir ce que je peux déjà échanger. Alors, j'ai un anneau. Qui permettrait d'avoir de l'argent et d'acheter de la nourriture. De la résistance au feu. C'est qu'à la fin, il va falloir que j'ai un rude combat, donc... Ça serait peut-être plus intéressant de conserver de l'équipement. Par contre, il faut acheter de la nourriture. Ah là là. Voyons, je peux récupérer 30. J'ai pas le choix. On va cuisiner. Il me reste deux cartes, deux à faire ici. Ça me permet tout juste de survivre là. Étudier les indices. Pas plus d'infos. Pas lever le camp. Je vais peut-être passer au niveau suivant, moi. Vous entrez dans l'auberge du mûrier et trouvez le père Galfry assis à sa table habituelle près du feu. Vous vous asseyez en face de lui. Il inscrit des chiffres sur l'un des nombreux rouleaux de papier jonchés sur la table, puis lève la tête vers vous. J'espère que la mission avec Borden a été fructueuse aujourd'hui. Vous n'avez pas péri d'un couteau dans le dos, donc je présume que oui. Je serai prudent d'analyser ce que mes suppresseurs ont dit quand vous aurez un moment de libre. Vous pourrez peut-être y trouver un mensonge. Alors, mentionnez votre problème de gobelins. Ouais, ça peut être intéressant. Des gobelins? Dans notre guilde? Il manifeste son agacement. Leur loyauté envers la guilde est au mieux précaire. Prenez ceci.
So much folly begins and ends with crime. La folie des voleurs, c'est un anneau. Cet objet sera toujours volé à la place d'une autre pièce d'équipement et de l'or. Ah, c'est intéressant. Là, je vois extincteur. Les deux sont équipés. Bon, c'est pas mal. J'ai pas à choisir. Ils sont amusants, ces gobelins. Que suivrez-vous de... Qui suivrez-vous demain? Rowena ou Grindan? Eh ben, on va suivre Rowena. On va suivre le même ordre que l'année dernière. Enfin, que la semaine dernière. Ah, je suis fatigué. Rowena a reçu l'ordre de kidnapper l'enfant de Dame Fielding alors qu'elle se rend à la capitale. Marquez le point de rencontre sur votre carte et vous retirez pour la nuit. Donc le point de rencontre, il est à 1, 2, 3, 4 cartes. Ouais. Il ne reste pas beaucoup de nourriture, il faut camper. Ah. Ah là 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 là. Alors que je vende de l'équipement. Je vais essayer de vendre la folie des voleurs pour pouvoir m'acheter une unité de nourriture. J'ai pas le choix. Je vais acheter de la nourriture, ma maman. Voilà. Alors, provisions. Bon, bah j'ai plus de sous, c'est ça le problème. Les indices pour l'instant, j'en ai pas. En tout cas pour Rowan, j'en ai pas. On voit Rowan. I'm never one for a wager. Ah, une maison de jeu. Life is at stake. Press on if you must. Près d'une route impériale fortement fréquentée, vous apercevez un stand en piteux état où des gens à haillons assis sur des tabourets jettent des dés. Vous approchez du stand. Derrière l'étal, une petite fille s'entraîne à jouer sur un violon bien mal accordé. À ses côtés se trouve une femme accroupie vêtue d'un tablier à fleurs. Bienvenue. Je vous en prie, asseyez-vous, goûtez à nos gâteaux aux épices. Je les ai faits ce matin. L'homme grisonnant et denté, assis à côté de vous, glousse. Ne lui faites pas confiance, son joli minois ne va faire que vous distraire. Bertha rougit et vous tend d'autres sucreries. Alors, le problème, c'est que j'ai pas un sou. Donc, j'ai pas le choix. Il faut essayer de voler. Vous tirez un tabouret entre deux joueurs, leur adressant un sourire tandis que vous prenez place. Feignant de suivre avec intérêt la partie de cartes en cours, vous tentez de leur faire les poches alors que personne ne regarde. Ok. Ah! Ah, ça va être dur là. What an unfortunate time for your skills to leave you. Au moment où vous emparez d'une bourse pesante, une main ridée vient vous saisir le bras. Vous levez les yeux vers une Bertha plus que déçue. Elle vous demande de partir et vous jette sombrement une malédiction. Votre compagnon reçoit 30% de ressources que vous gagnez lorsqu'il est actif. Ah. Bon, au moins, c'est pas un combat, c'est déjà ça. Durant la plus longue nuit de l'hiver, les habitants de Stigal se réunissent autour d'un immense feu de joie pour célébrer la victoire de la lumière sur les ténèbres. Cette même nuit, l'Empire ferme les yeux sur l'emploi illégal de la magie. Vous rejoignez un groupe de paysans auprès du feu. En prenant une petite gorgée, une femme à côté de vous vous tend une coupe. Vous acceptez poliment la potion à l'odeur acre et buvez une gorgée rapide. La chaleur envahit votre corps et vous sombrez dans une transe hypnotique profonde alors que vous regardez les flammes danser. Vous réveillez dans une étable au milieu d'un troupeau de vaches. En sortant, vous remarquez quelques gardes impériaux inconscients rassemblés à l'extérieur de l'étable. Aucune bénédiction dans l'inventaire. Bon là, je vais perdre de la vie parce que j'ai pas de... Starvation has been the end of many adventures. Par chance, vous tombez sur un chariot en bois rempli de poires, tartes et autres objets divers. Une odeur divine se dégage du chariot. Ouais, mais j'ai pas un sou. Je suis complètement fauché. Le vieux fermier vend ses articles à la criée pour attirer les passants. Tartelettes, tartes et fruits exotiques. Oh bah là, j'ai pas le choix, je peux rien acheter du tout, quoi.
Chester vous salue gaiement. Que souhaitez-vous acheter par cette belle matinée? Rien du tout. Ah, gain de 3 de nourriture. Merci beaucoup, le chat. Votez pour la prochaine fois. Votez ici, s'il vous plaît. Rowena et vous ne voyagez pas longtemps avant de rencontrer une diligence dorée le long de la route impériale. Le chariot est protégé par un contingent de gardes. Venez à bout des ennemis dans le temps imparti pour impressionner Rowena. Rowena et vous dégainez vos épées à l'unisson et vous lancez dans le combat. Ça va chauffer, ma maman. Ça va chier des bulles. Allez. J'ai repéré les mousquets. Oh. Et d'un. Ok. Ah, les nouvelles prochaines. Extension pour Darkest Dungeon. Ah, j'arrive à renvoyer maintenant. Et voilà. Ah non, esquive. Ah. Ah. Ah oui. Ah là là. On a pris un minimum de dégâts là. Après le combat, Rowena récupère ses forces et panse ses blessures avec efficacité. Ensemble, vous approchez de la diligence sans défense. Ouvrez la porte de la diligence et rencontrez une femme bien habillée et couverte de gemmes, un bébé dans les bras. « Pitié !» Elle crie désespérément. « Prenez mon or ! Ce n'est qu'un enfant !» Sans réfléchir, Rowena soustrait à la mère en pleurs une lourde bourse de pièces d'or, puis leur claque la porte au nez. Elle vous jette un regard glacial. Il est absurde d'être loyal à autre chose que l'or, n'êtes-vous pas d'accord? Jurez de garder son secret. Alors là, attention, ça peut être intéressant de récupérer la moitié de l'or à ce stade. J'ai pas tellement le choix. Elle vous lance un regard furieux, puis divise de manière égale le contenu de la bourse. Bon, très bien. Voilà, ça va beaucoup mieux, ma maman. Rowena vous fait désolé de te couper, Azur. Oui. Nouvelle pour les gens qui jouent à Warframe, ceux qui ont le Twitch Prime. Il y a le bundle numéro 2 qui sort. Bah, qui vient de sortir à 20h30. D'accord. Bah, on regardera ça après le stream. Hein. Si nous avons fini, j'ai affaire ailleurs. Alors, demandez ce qu'elle pense du père Galfrey déjà, ça peut être une bonne introduction. Ah, il faut payer pour ça. Bon, attendez. C'est surtout des informations sur son passé qui m'intéressent. Alors, 8 pièces d'or, on n'a pas le choix. Yes! Avant de venir ici, j'étais dans la 7ème légion de l'Empire. J'ai osé critiquer mon capitaine et en retour, il a tenté de me faire assassiner. J'ai pris la fuite, je n'aime pas verser du sang en vain. Elle ment, c'est elle la coupable, Normalement, elle était censée être dans la 3ème légion et avoir assassiné son capitaine. Là, elle dit qu'elle n'a pas tué le capitaine. Et en plus, qu'elle est dans la 7ème légion, alors qu'elle est censée dire toujours la vérité.
Quand elle a de l'or, donc c'est Rowena, la meurtrière, enfin la future meurtrière. Hey, hello, how are you, ma maman? Hello, how are you? Hello. Alors, bah, j'ai pas besoin de me poser d'autres questions. Hein. Voilà, Alors, camper, oui, évidemment. Feu de camp, on va déjà acheter des choses ou vendre des choses. Je vais voir si je peux vendre de l'équipement. Je vais garder ça. Acheter de la nourriture. On va acheter... Moi, j'ai pas le choix, je vais prendre ça. Ah, il me reste pas beaucoup de vie. Hein. Combien je pourrais vendre mon extincteur? Peut-être, ça me ferait 10. Ça ferait une unité supplémentaire de nourriture. J'ai pas le choix, il faut que je vende. Hein. Alors, on va cuisiner un petit peu. Quoi? Ben, j'en avais pas acheté une deuxième unité de nourriture. Bon. Oui, c'est contre l'or qu'elle dit la vérité, mais Galfry a bien indiqué que l'assassin mentira toujours. Or ou boisson ou quoi que ce soit. Alors. Ah, j'ai plus de nourriture, c'est ça qui est terrible. Ah. These tokens represent the expansion of the game. More options, more cards, more opportunities. Cartographe itinérant cherchant à réaliser la première carte intégrale de l'Empire est prêt à vous rémunérer en échange d'informations sur les zones que vous avez visitées au cours de vos récents voyages. Je n'ai pas besoin de connaître la position de chaque pierre ou cours d'eau d'ici à la capitale, mais je suis persuadé que tout ce que vous pourrez me dire sera utile. Donc, acceptez 10 pièces d'or en échange de vos informations. Oui, j'ai besoin d'argent. Parce que j'ai besoin d'acheter de la nourriture et des renseignements. Le cartographe vous écoute attentivement alors que vous décrivez tout ce que vous vous rappelez des zones environnantes. Ah, maman. Passez plusieurs heures en sa compagnie jusqu'à ce qu'il soit satisfait et que vous n'ayez plus rien d'utile à lui révéler. On va camper et on va acheter de la nourriture parce que là sinon je vais mourir quoi. En plus c'est la dernière unité de nourriture restante. Ouais, je peux même pas cuisiner, c'est quoi ça? What? T'as peut-être plus de bouffe. Je viens d'en acheter. Ah. Ah, c'est la carte malédiction qui me bouffe toute ma bouffe. Ah, c'est toutes mes ressources qui partent à chaque fois. Ah, oh, il a fallu que je loupe ce vol à la tire là. Là c'est la cata, c'est en train de me plomber complètement le truc parce que là je vais mourir là. Et voilà. Je suis mort. Ah. On va essayer peut-être un autre défi. Celui-là j'y arrive pas. Hein. L'hiérophante, ça veut pas. There is still a chance of completion, but no chance of perfection now. Ah. Quel défi tu penses que je devrais faire? J'ai... Quoi? L'Empereur. J'ai fait l'Empereur. D'accord. Alors, on va juste recommander les cartes. Regardez le compagnon que j'ai. On va bien avoir plutôt le... I doubt the northerner can offer you anything. Time will tell. Bon, il me dit que le nordiste n'apporterait rien.
Oh, on prend le magicien. Prends le magicien, bon d'accord. Je méfie un petit peu ce qu'il dit le maître du jeu. Hein. Allez, c'est parti. On va découvrir un nouveau. These foes I place before you, these rules. I do not know truly if they will train you for the challenges that Kallus will place in your way. Of course, we know how this part of the story ends. The Emperor is merely the face on the throne. Behind him, the usurper pulls the strings. The one who sits upon the throne of life and death has a great influence upon the world. Their very soul permeates the lands and fills the hearts of the people. La voix aiguë du crieur résonne sur la place du marché. L'empereur lui-même appelle les membres de la guilde des aventuriers, une expédition urgente, vitale pour la sécurité de l'Empire. Vous repérez un groupe de voyageurs alourdis par des armes et des outils ne traînant pas loin. L'Empire offre une récompense juste pour partir en mission, et encore plus si on revient. C'est dire à quel point ils ont besoin d'aide. Ah, il y a quelque chose sur la carte maintenant. The Empire does not ask for much, but in the end, they take everything. D'accord, c'est vrai que Colbjorn, il a sa capacité de tirage de dés supplémentaire qui est intéressante. Mais le problème, c'est que ça m'a un peu plombé la dernière fois, la belette, parce que j'ai utilisé sa capacité lors d'un tirage de dés dans la dernière phase. Et tu sais, quand on utilise sa capacité, on perd le compagnon pendant 3 tours. Et évidemment, pendant ces 3 tours, j'ai eu le combat final et je me suis fait écrabouiller à ce moment-là. J'aurais bien eu besoin du vagabond à ce moment-là. Vous recevez une petite somme d'or à votre arrivée au palais. Une escorte armée vous mène directement aux chambres de l'empereur. L'empereur reste calme et silencieux, alors que sa conseillère principale lui présente l'expédition. En ce monde, il ne reste que peu de reliques du dernier âge. Nous en avions une dans cette chambre jusqu'à la nuit dernière. Elle désigne le piédestal vide. Vous devez non seulement récupérer le symbole volé de notre pouvoir, mais aussi les 3 reliques qui l'accompagnent. Alors, on va d'abord agir en détective et examiner le piédestal. Un oreiller orné est perché sur un pilier de pierre. À travers la poussière, vous apercevez la forme d'une lame dentelée. C'était une épée de cérémonie. Elle est restée sous notre protection pendant des décennies. Nous ne la protégions pas, comprenez, et nous protégions ceux qui tenteraient de s'en emparer. Cette lame est maudite. Son venin affecte de manière égale l'utilisateur et sa victime. Alors, demandez qui a volé l'artefact. Tout indique qu'il s'agissait d'un simple cambriolage. Ils ont profité d'un point faible dans le roulement des gardes. Il y a de nombreux trésors dans le palais. C'est étrange que ce soit tout ce qu'ils ont volé. Ah, ils venaient sûrement pour cette lame-là. Hein. Avec ma chance, je vais tomber sur cette lame-là dans mon inventaire, vous allez voir. Donc là, on va partir immédiatement. Attendez, les voleurs devaient être doués et dangereux pour réussir à voler l'artefact. Nous devons nous assurer que vous puissiez vous défendre. Allez voir notre entraîneur en sortant. Je me demande si c'est pas ça le piège d'ailleurs. A keen eye will notice that themes repeat themselves. Events too. The wheel ever turns. Le capitaine Estrella Fior vous salue. Les voleurs sont avant tout des lâches. Ils éviteront vos attaques les plus lourdes, de la même manière qu'ils évitent leurs devoirs civiques. Pour les vaincre, il vaut mieux utiliser une arme légère. Essayez celle-ci. Alors, se battre avec des lames doubles est efficace contre les ennemis rapides comme les voleurs, mais elle est beaucoup moins contre les ennemis en armure comme l'Empire. Moi, je pense que le bon compromis, c'est l'épée classique avec le bouclier. Comme ça, on peut à la fois s'occuper des Nordistes et des gros barbares, et on peut s'occuper quand même des voleurs. Voilà. Mais on me donne une double lame, évidemment, maman. If you are at war, use every tool at your disposal. If not, let things lie. Alors, avec 6 frappes puissantes, ça affiche étourdissement aux voleurs. Il y a la riposte, 125% de dégâts.
Et c'est une arme légère. Hein? Still, you find yourself. Mais c'est gigantesque! Do you not wonder why or what they may do? What the fuck? J'ai que 8 cartes de. Mais c'est pas n'importe quoi. Votre quête vous mène très loin de la ville. De vastes plaines sauvages s'étendent devant vous. Ah bah pour être vastes, elles le sont. Votre compagnon vous remémore la mission de l'empereur. Une relique a été dérobée par des voleurs téméraires. Une autre est dans les griffes d'un négociant douteux. L'une d'elles est conservée dans un petit village au nord. Quant à la dernière, qui sait? Donc le but, c'est retrouver les 4 reliques. Et visiblement, elles sont indiquées sur la carte, les reliques. En tout cas, on voit 3 emplacements. Et visiblement, elles vont se déplacer, ces cartes. Enfin, bon. On va essayer d'aller peut-être en diagonale. On va avancer déjà d'une case, on va voir. A moment of peace on your travels. Savor it. Les plaines sont accueillantes et abondantes. Ramasser de succulentes baies sur un buisson. Hey, 5 de nourriture. Ça, c'est quand même incroyable. T'achètes au moment d'un feu de camp, avec 6 pièces d'or, t'as une malheureuse unité de nourriture. Par contre, tu passes à côté d'un buisson avec quelques baies. Allez hop, t'en as 5. What the fuck, le jeu? Non mais sérieux, quoi? Non, on se fiche de moi, là. Oh, c'est abondant, c'est apaisant, et maintenant, c'est les dangers. Une carte plus loin. Les plaines abritent des rebelles, des criminels et des bêtes. Génial. Alors, les armes de type légère sont faibles contre les armures de l'Empire. Vous pouvez changer d'équipement, mais là, c'est juste des voleurs, quoi. Pas le choix. Ah, il y a des mousquets quand même en face. Hein. C'est des voleurs. Et il y a de l'Empire en face. 4 voleurs, 2 mousquets. J'aurais du mal avec les haches de villageois. Bon, on va utiliser les lames là. C'est la première fois que je les utilise. On va voir ce que ça donne. Après tout, hein. Allez, c'est parti. Allez, nouvelle arme. Lame coupe-gorge. Une superbe paire de lames raffinées pour le plus raffiné des gentilshommes. Bien aiguisé, bien entretenu et mortel. Va d'abord se débarrasser des mousquets. Hein. Attention. Ah. Il y a besoin d'aide. Ah. Ah, j'avais le doigt dessus. J'avais le doigt sur Y. En fait, c'est une question de synchronisation. Une fois que l'animation est lancée, c'est fichu. Hein. Vous pouvez plus esquiver, même si vous avez la patte sur la touche Y. Une fois la bataille finie, vous récupérez ce que vous pouvez sur les cadavres.
Une lame cardinale. Ah, une épée venant des Templiers. Intéressant. Envoie des lames magiques dans 8 directions lorsqu'il est activé. Brise armure, ça peut être utile face, face à des membres, des armures de l'Empire. Ce qui est le comble d'ailleurs, parce que c'est quand même bizarre de se faire agresser par des gens de l'Empire alors qu'on est en mission pour le roi. C'est pas logique, maman. On va camper. Those who are desperate can never hope to get the best possible price. Un marchand essoufflé arrive en courant et rejoint votre feu de camp. Ah, Dieu merci, vous êtes là. Je ne sais pas comment faire un feu. C'est la première fois que je me rends dans la capitale. Le barde tente sans succès de monter une tente. Pour être honnête, je ne suis pas sûr que vous ayez bien fait de me faire participer à cette aventure. Avec les précieuses reliques et tout ça, j'ai beau être bel homme, je ne suis pas le plus adroit. Bien que j'insiste, je sois un très bel homme. On va acheter déjà de la nourriture. On va voir ce que je peux déjà vendre comme équipement. Alors, je pense qu'il faut garder les deux. Au équipement, qu'est-ce qu'on a comme équipement? Aux armes, on a quand même l'embarras du choix, seulement les autres, elles sont quasiment foutues, quoi. Je vais garder ça. Les autres, je peux pas les vendre, c'est rouillé. On va acheter de la nourriture, j'ai quand même suffisamment d'argent. Alors, 6 x 3, 18. Ouais, ça ferait, c'est moins cher d'acheter en gros. D'accord, tu peux riposter tant que t'as pas attaqué trop vite juste avant. On va cuisiner pour retrouver un petit peu de vie. Alors, je ne suis pas vraiment à mon aise dans la nature, vous savez. Il n'y a personne pour m'écouter jouer du luth. Soupir Malaclipse. Donc, il faut trouver les cartes reliques et les livrer à l'Empire en toute sécurité. Donc, après une bonne nuit de repos, on repart à l'aventure. Oui, merci le chat. N'oubliez pas de continuer à voter. Cast your vote, En traversant une sombre forêt, vous rencontrez une vieille dame frêle. Elle s'arrête pour vous saluer. Pendant des siècles, j'ai aidé les mortels perdus dans ma forêt. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour faciliter mon voyage? Demandez des provisions, demandez à rallonger votre vie, demandez de l'or. Peut-être de l'or. Ça va m'aider, tout ça. Ouais, Qu'est-ce qu'ils font tes voisins, Fenrir? Ils font des choses, Allez, encore, c'est reparti, danger. Ah, âme de type lourde recommandée contre l'Empire. On a du mousquet, on a du gros. On va passer à la lame cardinale. Ah bah, je suis déjà équipé. Je suis déjà équipé. Allez, ça va être parti. Ça va chauffer, Ah, nouvelle épée. Lame cardinale. Malgré les connotations liturgiques, cette épée est enchantée pour diriger, non pour consacrer. Ah, c'est bête. Ils étaient pas prêts de mon attaque. C'est dommage. Ah, ils font des doubles. Oh là là, les saligots. Attention. Et voilà,
commence à avoir le coup de main. Ah, ma maman. Ah, pour les gamins, il y a la solution. Le duct tape, ma maman. C'est très bien, tu peux les bâillonner, les attacher à quelque part. Les scotcher au mur, ma maman. J'adore les enfants. Au petit déjeuner. Une fois la bataille finie, vous récupérez ce que vous pouvez sur les cadavres. Hey! Oh, des robes pieuses, qu'est-ce que je veux faire de ça? Maman, robes pieuses. Résistance à la corruption. Les dégâts des corrompus sont réduits de 25. Ne mourrez pas de faim. Perdez un point de vie max au lieu de subir des dégâts de famine. Ah bon? Eh, c'est intéressant, mais par contre, c'est une armure légère. Défense, 5, notoriété, 7. On va voir si je peux m'équiper de ce truc. Eh, cool, la vie qui remonte. Viens voir, j'avais une tenue d'aventurier qui ne me défendait de rien. Ah, mais il n'y a que des bénéfices à porter ce truc-là. Ça, c'est très cool. Camper, est-ce que j'ai besoin d'acheter de la nourriture? Peut-être une unité de nourriture. Alors, je pourrais vendre comme équipement. Je vais conserver quand même tout ça, hein. Ça c'est important. Je peux pas trop t'aider parce que vu que moi j'ai des drops de live, je sais pas. D'accord. Non mais écoute, j'essaie de faire comme un grand petit dragonnet me débrouiller tout seul. Bon bah on va acheter ce qui reste. Hein. Allez, on va lever le camp. Après une bonne nuit de repos, vous remballez vos affaires et reprenez votre quête. Ah, les plaines sont accueillantes et abondantes. Cette exploration est à la fois apaisante et revigorante. Et voilà, ma vie est au max. There is little I can say that will stop an adventurer pilfering ancient artifacts. Le village de Dunerich est tout ce qu'il y a de plus ordinaire, à l'exception d'un petit sanctuaire presque abandonné. Vous y trouvez une autre relique reposant sur un autel poussiéreux. Une vieille dame vous accueille. Alors vous cherchez notre relique. Des légendes locales parlent d'un jour où un grand héros viendra la réclamer. En attendant, elle reste sous notre protection. Affirmez que vous êtes la personne en question. Prendre la relique de force, laissez. Ah, j'ai besoin d'un relique. Mais si je pouvais éviter le combat ou des problèmes ou une malédiction. La femme ricane. Vous n'êtes pas le héros qu'on nous a promis. Je ressens cependant de la grandeur en vous, une étincelle de notre noblesse. Revenez quand votre âme brillera de mille feux. Il vous faut 15 de notoriété. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Mais non, la belette, c'est marrant de s'asseoir sur les enfants et les entendre crier. Ah, il y a Fenrir qui veut te payer le voyage si tu veux bouffer les gosses. Ouais. J'ai pas envie d'attraper des maladies aussi, hein, Alors, est-ce que je prends la relique de force ou est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup que je fasse des actions et... Parce que je me méfie, si je prends la relique de force, ça risque d'être chaud, quoi. Est-ce que c'est si chaud que ça ou pas? I don't know. Bon, écoutez, on va prendre la relique, j'ai pas de temps à perdre. Là. Aïe. Notre relique est notre fardeau sacré. Nous ne pouvons pas nous permettre de dérober l'héritage du héros de la légende. Les villageois prennent les armes contre vous. Allez, ça va chauffer. J'ai peut-être fait une bêtise. Prépare à courir. Je vais me faire embrocher. En soi, dans The Witcher 3. Canaille. Vous savez que la terre est en péril lorsque ceux qui ne savent pas combattre s'y risquent.
qu'on prenne mon barde. Voilà. Non! Ah! Mais j'avais le bouton sur l'esquive. Bah arrêtez de me balancer des choses. Non! Ah. Ça valait le coup de tuer tout le village pour récupérer la relique. Not this time. If you give away everything that is critical, you cannot hope to win. You are your own worst enemy here. Or are you merely testing me? What the fuck? Alors que le dernier villageois s'écroule à vos pieds, vous comprenez que leur objectif n'était pas de vous vaincre, mais de vous distraire pendant que la vieille femme mettait le feu au sanctuaire. Pour avoir brisé une relique, vous n'obtenez pas de jeton d'or. Ça m'énerve. Ouais, bah je suis suffisamment puni comme ça, Fenrir. Donc en fait j'ai échoué la mission quoi. Mais je peux quand même la terminer. Bah oui, donc t'as pas fini, t'as juste pas réussi à faire le truc à 100% quoi en gros. Ouais, les plaines sont accueillantes et abondantes. T'auras le jeton d'argent comme l'autre, mais t'auras pas celle en or. Vous trouvez quelques pièces abandonnées au lit d'une rivière. Ah, petit peu de chance. Les plaines abritent des rebelles, des criminels et des bêtes. Allez, c'est reparti. Non, ça valait pas le coup. Là j'aurais déjà fait Alt F4. Pas normal. Encore des bolasses, oh non. En plus il y a corrompu là. Alors lui c'est touche B hein. Maintenant il faut se taper le corrompu. Deux missions sur deux échouées par semaine. Mais non, Ah, il faut que je la réussisse celle-ci. Une fois la bataille finie, vous récupérez ce que vous pouvez sur les cadavres. Armurerie, gain, Ah, je peux saisir amour. Comment dire, armure de gourmandise ou anneau de nourriture. Ah. Ça a un rapport avec la nourriture. On peut inspecter les deux, je vais regarder. Ouais, mais il faut une autorité de 12 pour ça. Gagnez 3 en défense si vous avez 20 unités de nourriture ou plus. 20 unités de nourriture! J'aurais jamais ça, quoi. Recevez une unité de nourriture pour chaque carte gain, nourriture ou gain. Or que vous recevez. Par contre, ça réduit la vitesse de déplacement de 10%. Ouais. Et l'anneau de nourriture, voyons. Vous pouvez vous défausser de n'importe quelle carte hormis une carte gain nourriture pour obtenir 2 unités de nourriture. Ah bah ça je vais prendre ça plutôt. So much magic comes down to simple needs in the end, don't you find? Je vais camper et je vais camper et également cuisiner un petit peu.
Maman, je vais acheter de la nourriture. Voir ce que je peux vendre. Je vais garder tout ça pour l'instant. Ah, je peux pas acheter de la nourriture, il n'y en a plus. Après une bonne nuit de repos, vous remballez vos affaires et reprenez votre quête. Les plaines abritent des rebelles, des criminels et des bêtes, maman. Allez, on est reparti. Motivé. Il faut me motiver. Je dois me motiver. Ah, attention, Bolas. Et en plus, on en a un qui... On a un anarchiste en plus, bravo. Ah, zut. Ah! Ah, c'est bien. Ah, elle a quand même pris du dégât. Attendez, on va prendre des trucs inutiles, on va prendre des risques inutiles, on va... Voilà, prendre un peu de... Hop. Et voilà, ma maman. Ah. Une fois la bataille finie, vous récupérez ce que vous pouvez sur les cadavres. Révèle 3 rencontres. Ah, oui, on peut choisir de se défausser, mais non. Pop. Non, on va conserver. Intéressant, je peux récupérer 10 pièces d'or comme ça. Et de la nourriture. Ah. Attendez, je vais revenir là, ici. Qui c'est qui a voté? Maman. Vous avez voté pour moins de nourriture, non? Allez, on accepte les... Des pièces d'or en compensation. Fille de l'or, Non, je vais pas m'en défausser, je conserve. T'inquiète pas, hein. Il est grandement impressionné d'avoir pu apprendre autant de choses grâce au récit de vos aventures. Et en plus, je gagne de la notoriété. Alors, on va voir. Je peux peut-être intercepter des cartes. Est-ce que je dois camper? Et papa, on va remonter un petit peu notre vie. Est-ce qu'on peut changer, acheter de la nourriture? Non, toujours pas. Qu'est-ce que je peux vendre comme équipement? Ben, ça n'a pas bougé. Donc on va lever le camp et repartir. Après une bonne nuit de repos, vous remballez vos affaires et reprenez votre quête. Allez, on va essayer d'intercepter. Les plaines sont accueillantes et abondantes. Trouvez quelques pièces abandonnées au lit d'une rivière. Ah, j'ai bien remonté mes finances. Hein. De l'or. Je vais voir si je peux pas acheter de la nourriture. Toujours pas. Oh, ils ont pas renouvelé les... Ah, bastion de purification. C'est tentant de l'acheter. Et c'est un peu cher. Qu'est-ce que t'en penses De quoi? Artegon, du bastion de purification. Est-ce que c'est utile? Bon, ça réduit la vitesse de déplacement de 10%. Hein. Ouais, mais c'est un bon bouclier, quoi. D'accord, ok. C'est vrai que j'ai un bouclier assez pourri actuellement, hein. On va s'en équiper.
Alors, on met fin à l'échange. Ça risque de m'être utile. On repart à l'aventure, ma maman. Part of every story, especially a tale spent in the company of allies and boon companions. Alors que la nuit approche, vous retournez au rasoir rouillé. Le propriétaire vous accueille chaleureusement. Le rasoir rouillé, vous êtes redevable. Que puis-je faire pour vous? Si vous avez besoin de soins, je suis un modeste guérisseur. Nous avons à manger si vous avez faim. Enfin, si vous avez votre propre matériel, vous pouvez vous reposer ici dans un certain confort. Ah, ça c'est nouveau ça. Se soigner, acheter un repas ou se reposer. Commander à manger. Ça peut être intéressant, commander à manger. Parler des dernières rumeurs. Vous parlez de l'auberge et demandez comment vont les affaires. Bon, ça donne pas d'informations supplémentaires. Commander à manger. Bon, c'est le même prix, hein. On va essayer d'acheter, alors attendez, 3 unités de nourriture pour 12 pièces d'or. Ouais. On va prendre une unité de nourriture. Me soigner, ça serait bien d'avoir la vie au max, on sait jamais sur qui on va tomber ou quoi on va tomber. Reçu une carte gain de vie pour 10 pièces d'or, non. Non, on va pas faire comme ça. On va se reposer. Voilà, moi c'est plus sûr. Et vous partez. Ah, cette carte m'énerve, elle m'échappe. Yet inattention not every inch of the wilderness is peaceful. Les plaines sont parfois traîtresses et dangereuses. En traversant une falaise, vous glissez et perdez l'équilibre. Bien que vous vous en sortez indemne, on ne peut pas en dire autant des rations dans votre sac qui ont amorti la chute. Hein? Non, maman. J'ai perdu 3 rations de nourriture. Ah, mais j'ai trouvé 3 rations. Merci, oui. Merci le chat. Continuez de voter. Cast your vote. Ah bah ça vient à point nommé. Bon. Quoi encore? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout bouge là. Bon écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà essayer d'attraper ce qui est le plus proche de moi. I have little sense of trust for wandering merchants. True bargains are rarely found with those. J'ai pas assez d'argent pour acheter ça. Alors, est-ce que je négocie un meilleur prix ou est-ce que je menace de la prendre par la force? La dernière fois que j'ai essayé de prendre par la force, c'était pas fantastique. Vous gagnez, le prix sera réduit par le total des dés. Si vous perdez, il est possible qu'il refuse de vous la vendre. Alors, par le total des dés. Zen. Oui, je vais essayer de rester zen. Ça va être facile. 11. Le prix va être divisé par 11. Enfin, réduit par 11. Déjà mieux. J'ai jamais vu autant d'or, même dans mes rêves les plus fous. Le marchand semble satisfait de la transaction. Bon, allez, on en a 2 reliques. Le homme maudit d'Ogagou. Nouveau porteur de cet objet gagne une malédiction. Eh ben, merci, hein. Cette carte ne peut pas être défaussée. Oh. Quoi? Mais c'est scandaleux. J'ai un objet, je choisis même pas de pouvoir m'en équiper. Mais c'est pas possible, une relique qui nous pourrit la vie. Cette relique est maudite, s'exclame Malaclipse. Qui donc voudrait voler une chose pareille? Eh ben des dragonnets idiots comme moi, maman. It is not one game now, but a score. Each with its own nuance and delicate approach. Bon, on va essayer de rattraper... mystérieux individu. Ça recommence. Les plaines sont parfois traîtresses et dangereuses. Blablabla. Non! J'ai plus de nourriture! Je campe. Il faut que j'achète. Oh là là.
Je perds pratiquement tout mon or en achetant une relique idiote, et maintenant... Comme une idiote. On peut rien acheter. De toute façon, il n'y a rien à vendre, de toute façon, ça sert à rien que je vende quoi que ce soit. Heureusement, grâce à la... à mon... à le relique... enfin, mes vêtements pieux, je ne perds pas trop de vie, quoi. Le bazar regorge d'activité. Des marchands de tous les coins abordent les passants pour vendre leurs produits. Une fois que le soleil se couche dans les rues bondées, vous faites une brève pause pour prendre de l'eau à la fontaine. Vous sentez quelque chose tirer l'intérieur de votre tunique. Vous retournez rapidement et découvrez un voleur qui détale avec quelques-unes de vos affaires. « Seigneur, j'ai déjà quasiment plus d'argent et j'ai plus de bouffe. Je perds tout mon or !» Vous sautez sur vos pieds et apercevez le voleur qui se mêle à la foule. Oh là là. Le labyrinthe de gens représente un trop grand obstacle pour vous. Le voleur arrive à s'échapper. Ah, la relique volée. Les déplacements irréguliers des voleurs les mènent droit sur vous. Vous les surprenez alors qu'ils chargent frénétiquement la relique sur un chariot. Retenez quelques minutes pendant que nous préparons les chevaux. Les armes de type légère sont recommandées contre les voleurs. Vous pouvez changer d'équipement, blablabla, on va prendre. Est-ce que je suis censé prendre ça? C'est des voleurs, on va essayer de prendre une autre arme. Les lames coupe-gorge. Pas tellement le choix. Allez, je vais bien équipé, oui. Et c'est parti, J'espère que je vais récupérer de la nourriture et de l'or. Hein. Ah! C'est un peu plus difficile de contrer avec cette arme parce que l'animation est plus longue quoi. Là j'avais le bouton déjà, j'avais déjà appuyé sur le bouton depuis un bon moment. En fait non parce qu'il continuait son animation à la noir. Voilà, il faut que j'attende qu'ils attaquent. Et en plus j'ai un délai limité. Mais comment voulez-vous que j'élimine tout le monde en si peu de temps? Le son de chevaux au loin vous informe qu'un chariot disparaît à l'horizon. Vous n'avez plus aucune chance de les attraper. Les reliques sont perdues dans la nature. Oh Et j'ai plus de bouffe et j'ai plus d'argent. Les plaines sont accueillantes et abondantes. Vous trouvez quelques pièces abandonnées au lit d'une rivière. Ah. Oui, est-ce que je m'en défausse? J'ai besoin de plus d'or ou de nourriture? 2 unités de nourriture, c'est quand même intéressant, ça. Allez, on se défausse de la carte et on prend... Ah non, je l'ai prise. Bon, je vais camper, puis je vais acheter... Je vais acheter de la nourriture. Imaginons... Oh, on peut toujours pas en acheter. J'ai pas de bol. Ah, parce que vous pouvez voter également pour les cartes... Ah, j'avais pas vu que vous pouviez choisir. Je le saurai la prochaine fois.
Merci pour le vote, ma maman. Ça tombe au bon moment. Vous cueillez des baies juteuses sur un buisson couvert d'épines. Vous réalisez bien trop tard qu'elles sont empoisonnées. The Empire has busily purged so many of the fantastic creatures from these lands, and yet they leave the gnomes. Halt, humain ! Crée une voix tandis qu'une douzaine de petites créatures bondissent des arbres autour de vous. Il vous faut un moment pour réaliser qu'il s'agit de gnomes. De sales gnomes mal armés. Une poignée d'entre eux tiennent des lances, mais la plupart n'ont que des pierres ou des bâtons aiguisés. Nous cherchons des armes pour nous défendre, crie un gnome. Je donnerai de la nourriture contre un casque, crie une des petites personnes. Non, donnez-moi des armures et je vous donnerai une potion de vie, intervient un autre. Les gnomes crient leurs offres respectives, essayant de dominer la conversation. Leur donner quelque chose ou refuser. Et j'ai quasiment plus d'or, j'ai plus de nourriture. Désolé, hein. Vous refusez, les gnomes attaquent. Une multitude de pierres et de bâtons pointus volent dans votre direction. Les gnomes battent rapidement en retraite vers les arbres et vous observent dans l'obscurité jusqu'à ce que vous partiez. Ah bah voilà, je tombe sur eux à nouveau. Allez. J'espère qu'il y a un peu moins de voleurs à chaque fois. Bon là, il faut que j'attaque comme un cinglé, quoi. Oh là là, ils sont tous aussi nombreux, mais vous rigolez. Allez, hop. Artegon, ma maman. Non, je t'aide pas. Ah, maman. Il se moque encore de moi. Pour avoir été d'une grande aide au cartographe. Ah, maman. J'ai l'impression que la belette risque d'avoir raison, je risque d'avoir du mal. Bon. Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce que je retente l'empereur tout de suite, ou je fais les hiérophantes, ou je fais les amants, ou le chariot? À toi de choisir. Bon, je vais tenter l'hiérophante. C'est ça, c'est le mot. C'est le mot hiérophante, fun, Je vais juste regarder quel compagnon donne là. Ouais, le vagabond. Ouais. Je me demande si je devrais pas choisir mes cartes. Sérieusement. Ouais, mais ça va être compliqué comme t'es pas là sur le chat en ce moment avec moi. Je vais laisser les cartes faire toutes seules leur truc. Allez, on se concentre, on prend de bonnes décisions. On va aller plus rapidement. Hein. Je vais zapper les explications. Simplement, c'est juste les indications qu'ils vont me donner. Qui vont être lus. Donc sur Borden, c'est toujours le doyen de l'équipe. Il a travaillé pendant une longue période. Borden, là c'est quand il est ivre qu'il révèle plus de vérité.
pour Rowena. Elle a travaillé pour une longue période. Elle était dans la 3ème Légion de l'Empire. Hein, elle dit toujours la vérité contre de l'argent. Donc il faut de l'argent sur elle. Brendan. Longue période de travail aussi. Lance des accusations quand il est ivre. Alors, allez hop. Gobelin, ça commence bien. Allez, à l'attaque. En fait, il faut que je m'entraîne sur ces phases d'action, quoi. Oh, l'autre il me suit, j'ai même pas vu. Cette fois-ci, je peux me concentrer sur le combat. Je peux bourriner. Ah, m'énerve. J'ai laissé des plumes et j'ai récupéré mon affaire. Hein. Alors, on a repris votre âge de guerrier au gobelin inconscient, maman. Gobelin adore les chapeaux, bla 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 bla. Alors, les objets de valeur, de l'équipement. Je vais prendre l'anneau de nourriture à ce stade-là. Gain de vie, maman. On conserve ça. Besoin. Acheter de l'équipement, acheter de la nourriture. Ouais, on va acheter de la nourriture. Je vais voir ce que je peux vendre surtout. Ah, on peut pas. C'est un magasin généraliste, on peut pas vendre. Oh. Ah, si, on peut vendre. Épée de soldage, de guerrier. Il me faut de l'argent, faut pas l'oublier ça. Je vais vendre l'anneau de nourriture, j'ai pas tellement le choix. Garder mon argent pour le reste. Non, je vais pas vendre. C'est bon. Round. Alors, continue à explorer. Passer au niveau suivant. On va passer au niveau suivant. Oh non, bon. Les tartelettes, ça y est, ça recommence. Non, j'ai pas envie de payer. De toute façon, j'ai pas assez d'argent. Je vais pas acheter ce prix-là. Allez, on passe au niveau suivant. Vous entrez dans l'auberge du mûrier et trouvez le père Galfry assis à sa table habituelle près du feu. Vous vous asseyez en face de lui. Là, on se meurt dans 3 jours et on va partir en mission avec Borden. Allez. Alors, le point de rencontre. Ah, on est au centre. D'accord. Et où se trouve le point de rencontre? En haut à gauche. Ah, maman.
Alors, est-ce que je campe? Non, on va... Oui, la nourriture, ça c'est très bien ça. 4 pièces d'or, oui. Échange des informations. Et on va directement voir notre ami Borden. Alors Borden, lui, c'est la boisson qu'il affectionne. Hello, salut Soborkid. Ça roule. Alors hop. Je me fais confiance. Le bizarre pirate. Nanana, je lui donne mon sang. Ça va me coûter de... ça va me coûter de la vie, mais il va avoir méga confiance en moi. Récupère les caisses de blanc volées, les empiler dans le chariot et prend la route. J'essaie de le réconforter. Alors attention. Oui. Ah maman. Borden vous fait un peu plus confiance. Alors, question sur son passé. Il était fermier. Sa famille. Alors, Borden regarde tristement le sol. Elle m'a quitté pour un marchand. Vous ne souhaitez pas assister. Pense du père Galfry. Le chef s'assure toujours que la distribution des gains est équitable. On peut difficilement demander plus. Père adieu. On va regarder au moment du camp si on peut voir justement les déclarations des uns et des autres. Ah, on peut acheter de la nourriture. On a 3 cartes encore à faire au minimum là. Mais il faut que je garde un petit peu d'or pour l'instant. Je vais voir ce que je peux échanger. Je vais garder de l'équipement. À la fin, il y aura un rude combat. J'ai pas envie de le gâcher, quoi. Nourriture, non. On va mettre fin à l'échange. Étudier les indices. Donc, qu'est-ce que Galfry nous avait dit en ce qui concerne Borden, qu'il avait travaillé pour une longue période. Il parle plus quand il est ivre. Bon, les autres, pour l'instant, on les a pas encore rencontrés. C'est pas intéressant de regarder ça. Borden a juste dit que sa femme l'a quitté pour un marchand. Pour l'instant, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Maintenant, le but, c'est de trouver la sortie, quoi. Oh là là, gênant. Désolé, mais là... Je vais laisser quelqu'un d'autre le faire, hein, à ma place. Oh là là. Ah. Oui. Alors que tout semble perdu, une silhouette surgit du bâtiment. C'est Colburn qui s'en sort miraculeusement indemne. Vous parvenez à discerner plusieurs silhouettes à travers la fumée. Colburn aurait sauvé tout le monde. Ah, on peut choisir le nombre de personnes sauvées, quoi. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi la carte qui tourne là? Un drôle de personnage au milieu. Bon, je vais essayer de sauver un maximum de personnes. Toute la famille de la femme est là, saine et sauve. Waouh. Les villageois se précipitent pour aider la famille. Merci, vous avez sauvé ma famille d'une mort certaine, déclare la femme. Nous avons perdu peut-être que tout ce que nous avions, et nous ne serons jamais en mesure de nous acquitter de notre dette, mais sachez que nous compterons à jamais vos exploits d'aujourd'hui. 10 en notoriété. Traverser, regarder de l'autre côté. Gobelin, allez, c'est parti. Ah, il y a des nordistes. Non, anarchistes. Allez, c'est parti. Allez, on va se récupérer déjà notre or.
Non. Ah, c'est bon. Il est fini avant qu'il fasse son attaque. On ne peut pas esquiver. Quand c'est rouge au-dessus, on ne peut pas esquiver l'attaque. Maman. Reprenez votre hache de guerrier au gobelin inconscient. Aussitôt, le gobelin se réveille en un sursaut et déguerpit. Il disparaît en gloussant dans la forêt. Votre bourse vous paraît plus légère. Les petits voleurs! Est-ce que l'un d'eux a aussi croqué dans une des tartes de votre sac? Une fois les bandits vaincus, vous fouillez leurs dépouilles pour trouver des objets de valeur. Ah, maman. Voilà, fléau de l'hiver. Ah, alors attendez, hache de guerrier avec jeton, acapistin ou maman, dégâts, ce sera plus rapide quand même, mais j'aurai l'usage du bouclier. Et voilà, on est retour à l'auberge. Donc là, on en est à la fin de la première journée. Il serait prudent d'analyser ce que mes suppresseurs ont dit. Quand vous aurez un moment de libre, vous pourrez peut-être y trouver un mensonge. Donc là, la suite, c'est... Alors, attendez, le problème de gobelin, on va le mentionner. Voilà. Ah, le flot de l'hiver ne sert à rien. Bon, d'accord. Écoutez, on va prendre la hache. C'est vraiment ce que tu penses. Bon, d'accord. Rowena, donc ce sera notre prochaine mission. Rowena a reçu l'ordre de kidnapper l'enfant de Dan Fielding. Donc c'est reparti. Marquez le point de rencontre sur votre carte et vous retirez pour la nuit. On va camper parce que j'ai besoin de me refaire un petit peu. Alors, je vais déjà vendre de l'équipement. Je pense que je vais revendre le fléau de l'hiver. Pour l'épée de soldat. Je vais la revendre. Et le fléau de l'hiver aussi. Ah, ensuite, je vais acheter de la nourriture. Ah non, ça c'est bon. Je vais ensuite cuisiner. Ah. Encore une fois, remonter un petit peu. Étudions les indices. Qu'est-ce que Borden a dit pour l'instant? Bon, pour l'instant on avait les informations de Borden, on n'a pas encore rencontré Rowena. On va y aller tout de suite. Ah, le présent des anciens. Hélas, les pilleurs ont détruit notre village, explique l'ancien. Ils n'ont rien trouvé d'intéressant. Cependant, j'ai peur qu'ils ne nous attaquent que pour le plaisir. J'ai un conseil à vous offrir. Poursuit-il. La préparation est la clé de la victoire. N'entamez jamais une quête sans avoir toutes les cartes dans les mains. Il vous regarde avec ses yeux pâles. Que vos actes de bravoure soient jamais reconnus, en conte comme en chanson, que l'on se souvienne de vous pour l'éternité. Vous gagnez 8 en notoriété. Bon bah c'est bien, de la nourriture. Merci pour le vote. Maman, vous pouvez voter à nouveau. Cast your vote. Rowena et vous ne voyagez pas longtemps avant de rencontrer une diligence le long de la route impériale. Le chariot est protégé par un contingent de gardes. Venez à bout des ennemis dans le temps imparti. Rowena et vous dégainez votre épée à l'unisson et lancez dans le combat. Allez. Hache de guerrier, à peine mieux qu'un outil pour bûcheron. Ouais. J'allais mousquer. Ah! Thank you.
Ah, flûte, il y a encore un mousquet au fond. On a même deux. C'est bon, je l'avais déjà eu. Oui, j'ai réussi à terminer avant la fin du temps imparti. Donc je vais impressionner Rowena. Oh. Rowena est impressionnée par vos prouesses au combat. 4 de plus en notoriété, maman. Elle vous fait un peu plus confiance. Vous ouvrez la porte de la diligence et rencontrez une femme bien habillée, couverte de gemmes, un bébé dans les bras. Pitié! Elle crie désespérément. Prenez mon or, mais ce n'est qu'un enfant! Sans réfléchir, Rowena soustrait à la mère en pleurs une lourde bourse de pièces d'or, puis leur claque la porte au nez. Salut Sobor, bonne nuit, maman. Merci d'être passé. Elle vous jette un regard glacial. Il est absurde d'être loyal à autre chose que de l'or. Donc là, on va jurer de garder son secret. Alors, si nous avons fini, j'ai affaire ailleurs. On va lui poser des questions sur son passé. J'ai rejoint la guilde après avoir assassiné le capitaine de la 3ème Légion. Bah là, c'est juste, c'est totalement juste. Elle était dans la 3ème Légion, elle l'a assassinée. Donc elle ne ment absolument pas. Pour sa famille, j'ai de la famille dans la capitale, je n'en reparle jamais. Son plat préféré, les pommes rôties. Et le père Galfry, il se vautre dans ses beaux atours, compte en ses sous, d'après moi, c'est ce qu'il fera jusqu'à la mort. Elle vous observe un moment, je ne lui fais pas totalement confiance, il est tout comme nous, membre de la guilde des voleurs, après tout. Et voilà, on a fini, On va essayer de découvrir le changement de niveau, c'est peut-être ici. Voilà. Ah non, alors ça non. Ça non, c'est bon, je ne joue pas aux cartes, je ne joue pas aux dés, je ne vole pas les clients. Je laisse. Je laisse. J'ai besoin d'or en plus. Par ici. Ah bah voilà. On passe au niveau suivant. Vous entrez dans l'auberge du mûrier et trouvez le père Galfry assis à sa table habituelle près du feu. Vous vous asseyez en face de lui. Pour une fois, le père Galfry est simplement assis, à scruter ses papiers silencieusement. La plume est figée dans sa main. Demain soir, je serai peut-être mort. Brièvement, ses traits sont alourdis par la fatigue. D'un seul coup, le père Galfry semble très vieux. J'espère que vous aurez démasqué l'assassin avant la fin. Alors, maintenant, soit on peut demander à emprunter de l'or dans les coffres de la guilde pour soudoyer les suspects, demander pourquoi il nous fait confiance. Le père Galfry vous regarde tristement. Même si vous voliez l'anneau de ma main, vous ne pourrez jamais faire partie de cette guilde. Non, non, vous n'avez pas le cran nécessaire. Bon, je vais pas emprunter de l'or, on va essayer d'aller comme ça. J'ai demandé à Grindan de surveiller les mouvements entrant et sortant du château à côté du lac Landmarteau. La dame du château nous doit une dette considérable. Vous marquez le point de rencontre sur votre carte et vous retirez pour la nuit. Donc là, on est c'est tout au bout. Ok. On va avancer. Durant la plus longue nuit de l'hiver, les habitants de Stigal se réunissent autour d'un immense feu de joie pour célébrer la victoire de la lumière sur les ténèbres. Cette même nuit, l'Empire ferme les yeux sur l'emploi illégal de la magie. Vous rejoignez un groupe de paysans auprès du feu. En prenant une petite gorgée, une femme à côté de vous vous tend une coupe. Vous acceptez poliment la potion à l'odeur âcre et buvez une gorgée rapide. La chaleur envahit votre corps et vous sombrez dans une transe hypnotique, profonde, alors que vous regardez les flammes danser. Vous vous réveillez dans une étable au milieu d'un troupeau de vaches. En sortant, vous remarquez quelques gardes impériaux inconscients rassemblés à l'extérieur de l'étable. In case you're wondering whether I take it personally, these purges of the corrupt. Indeed I do. How could I not?
Le crieur annonce que l'Empire cherche des mercenaires pour combattre la corruption. Vous cherchez la tour de garde où le recrutement a lieu. Vous arrivez à temps pour entendre le plan de Sir Malifowell pour détruire le quartier pauvre. L'épidémie a commencé ici et nous ne pouvons prendre le risque de d'épargner quiconque. Donc là, on va combattre les corrompus. Vous empoignez votre arme et vous positionnez. On avait vu hein, lors des premiers, les premières missions que les gens qui sont atteints de cette corruption sont vraiment perdus. Même s'ils sont très légèrement atteints, ils sont perdus. Donc ça sert à rien de se dire qu'il faut épargner. Bon, beaucoup plus lent avec la hache manifestement. Non. Wow. Voilà, bah, dis donc. Sir Malifowell vous adresse ses louanges pour votre courage et vous offre une récompense. Maman, ça c'est de l'or qui va nous être très utile. Merci pour le vote, maman. Avec un cri, Grindan annonce votre arrivée au château près du lac Landmarteau. Vous allongez dans les hautes herbes pour la journée. Cassure vote, merci pour votre vote, maman. Malgré le besoin de rester discret, Grindan parle joyeusement fort. Vous savez, d'après mes sources, la dame à l'intérieur est recherchée pour haute trahison. Sort soudainement un morceau de charbon et du papier. Vous voulez mon autographe ? Vous l'autorisez à gribouiller son nom sur le rouleau de papier, il le place délicatement dans votre main. Grindan vous fait un peu plus confiance. Le temps passe, mais personne n'entre ou ne sort du château. Je dis, qui êtes-vous au juste ? Grindan retire une sucrerie d'un emballage et l'enfonce dans sa bouche. Je ne vous ai jamais vu par ici. Dire que vous êtes une nouvelle recrue. Dire que vous êtes en fait le chef de la guilde des voleurs incognito. Alors, quelqu'un qui est complètement mytho comme lui, à mon avis, il sera venu... je sais pas, ça va peut-être le flatter. Alors, Grindan hausse les sourcils. Vraiment ? Que faites-vous donc ici, avec moi, sur cette mission ? Dire que vous êtes en inspection, dire que vous êtes là pour le féliciter personnellement. On va brosser son ego. On va dire, oui, maman, vous êtes si bien... Oh, waouh ! Grindan incline la tête en signe de respect. Je n'arrive pas à y croire. Je veux dire, je sais que je suis plutôt bel homme et un des meilleurs dans la profession. Puis-je vous poser une question ? Avez-vous vraiment l'intention d'assassiner l'empereur ? Alors, accepter, refuser... ouais, faut le dire. Grindan froisse l'emballage des sucreries, les yeux écarquillés. Mais j'ai entendu dire que l'empereur est maintenu en vie par la magie. Grindan vous fait un peu plus confiance. Le reste de la surveillance se passe sans accroc. Vous passez la plupart du temps à regarder un chien dormir. Avant de vous séparer, vous profitez de votre dernière chance pour poser des questions à Grindan. Donc l'avantage, quand on a un maximum de confiance, eh ben on n'a pas à faire de lancer de dés, j'ai remarqué. Voilà, on a les réponses gratuitement. J'étais une actrice connue. Alors je pense que c'est une erreur de traduction, c'est... J'étais un acteur connu un jour, mais c'était il y a bien longtemps. Grindan a déclaré qu'il était un acteur célèbre. Alors, sa famille... Qui a besoin d'une famille quand on a autant de disciples dévoués ? Quel est son plat préféré ? Ah, très bonne question. Le canard à l'orange, évidemment. Qu'est-ce qu'il pense du père Galfry ? Père Galfry ? Un vieux sénile. Je suis étonné qu'il n'ait pas déjà été remplacé par un membre plus jeune et plus fringant.
s'est ramolli avec l'âge. L'autre jour, il a laissé une canaille partir indemne après avoir raté une mission. Même pas un pouce coupé. Rien du tout. Brindan vérifie son apparence dans le reflet de sa lame. Dire adieu. Vous demandez à quel point Grindan vous a menti aujourd'hui. On va camper et on va justement revoir un petit peu. On va acheter de la nourriture, ça c'est important. Alors, on va acheter de la nourriture, on va acheter un maximum de nourriture. Voilà, ça. Qu'est-ce que je peux vendre en équipement? On va garder tout ça pour l'instant. On va étudier les indices. Alors, ce que Grindan avait dit, c'est qu'il était acteur célèbre. Bon. C'est pas étonnant, puisque de toute façon, Galfrin nous avait averti que Grindan avait tendance à mentir. Quand il est ivre, évidemment. Il lance des accusations quand il est ivre. On n'a pas pour l'instant de mensonges sur Grindan. Bon. On va lever le camp. Là, je peux aller au fond ou je peux aller. On va essayer par là. Ah, la vieille dame. Tiens, bah c'est parfait. En traversant une sombre forêt, vous rencontrez une vieille dame frêle. Bon, on va lui demander cette fois-ci de l'or. Ou de la vie. Ah. De l'or. Main. Gobelin, c'est reparti. Juste au moment où je récupère de l'or, bien évidemment. Salut Arcandex, ma maman, c'est sympa de passer. Comment ça se passe pour toi? Quelques bandits de grand chemin émergent des buissons pour protéger les gobelins, la guilde des voleurs. Ma maman. Allez, c'est parti. Ouais, mais j'ai une carte supplémentaire qui va peut-être m'aider. Voilà. Ah, il est pas fini lui. Voilà, là il est fini. Pour l'instant, je me focus sur les gobelins parce que faut pas qu'ils s'échappent. Et voilà, maman. Ben un peu de mal ce soir, hein. J'ai un peu de mal sur ce jeu. Pas évident, hein. Le niveau de difficulté est assez élevé. Reprenez votre... Alors la folie des voleurs au gobelin inconscient. Il me l'avait volé en plus. Parce qu'en fait c'est une bague qui attire les gobelins. Et comme ça ils ne volent pas des objets importants mais juste une babiole. Le gobelin adore les chapeaux, bon ça on le savait. Une fois les bandits vaincus, vous fouillez leurs dépouilles pour trouver des objets de valeur. Maman, ça c'est bien. Ça. Ah, cool. Et au max. J'ai peut-être acheté de la nourriture pour le prochain niveau. Ah bah je peux pas, il y en a plus. Ah, oh, maman. On n'a pas eu beaucoup plus d'air pour l'instant, donc passer au niveau suivant. As things so often do, suspicion turns to violence and violence to death. I had hoped you would bring something more to our table than Callus once did. Père Galfrey est assis à sa table à place habituelle près du feu. Alors que vous asseyez en face de lui, vous remarquez qu'il paraît étrangement calme malgré la prédiction de sa mort ce soir. Vous observez Borden, Rowena et Grindan se déplacer dans la taverne.
trouver et éliminer l'assassin avant qu'il ne m'élimine. Je ne serai pas responsable cependant de ce qui pourrait arriver en cas de fausse accusation d'un de mes suppresseurs. Trouvez le menteur et vous trouverez l'assassin. Alors Galfrey a déclaré que l'assassin mentira toujours indépendamment de sa personnalité. Alors, c'est là que ça se corse. On va réétudier les indices. Alors attendez, faire autre chose. On va réétudier les indices. Galfrey nous a dit que... Donc Borden a travaillé pendant une longue période pour lui. Qu'il révèle plus de vérité lorsqu'il est ivre. Galfrey a déclaré que Rowan a travaillé pour lui pour une longue période. Qu'elle était dans la 3ème légion de l'Empire. Qu'elle dira toujours la vérité contre de l'argent. Grindan a travaillé pour lui pendant une longue période. Et qu'il lance des accusations quand il est ivre. Bon, et l'assassin mentira toujours indépendamment de sa personnalité. On va regarder ce que Borden avait dit. Que sa femme l'a quitté pour un marchand. On n'a pas beaucoup d'informations sur Borden. Rowena, elle n'a pas du tout menti. Elle a bien été dans la 3ème légion et a tué son capitaine. Donc, pour moi, Rowena n'est pas l'assassin pour l'instant. Elle aurait dû mentir là-dessus. Rindan a déclaré qu'il était un acteur célèbre. Il est toujours mytho. Donc, il faut que j'ai des informations plus sur Borden. Alors, s'approcher de Borden... on va demander de l'or. Alors attendez, Borden c'est boire. Borden a l'air ravi de votre offre. Je prendrai du vin de mur si c'est vous qui payez. Ouh là là, d'accord. Oui, ma maman. Allez. Un Borden complètement ivre vous agrippe par le col et chuchote. Dites pas que je dis ça. Et Arousse est sans pitié. Faut filtrer la 7ème légion en tant que soldat de l'Empire pendant Siduit et a tué son commandant de sang-froid. Borden a déclaré ivre que Rowena était dans la 7ème légion de l'Empire et qu'elle a tué son capitaine. Bon là, il ment très clairement. Parce que c'était la 3ème légion. On va interroger Rowena ou Grindan. Grindan, j'ai pas beaucoup d'informations sur lui. Grindan, alors lui, quand il est éméché, il lance des accusations. Mais est-ce que c'est vrai ces accusations? Je peux essayer. Je peux pas boire avec lui. Je peux boire avec lui. On va voir. On va voir. Allez, allons-y. Là, ça va être plus facile déjà. Ma maman. Maintenant que j'y pense, la diseuse de Bonaventure m'a dit de méfier la couleur rouge. Oh, mais non, elle a les cheveux roux. Grindan tape dans ses mains comme s'il avait résolu l'énigme. Grindan a déclaré Yves que la couleur rouge ne lui inspirait aucune confiance. Ouais, bon, ça ne donne aucune information. Parce que c'est pas un mensonge, ça. Rowena, donc elle c'est l'or. On va lui donner le maximum de pièces d'or. Allez, j'ai besoin d'avancer avec 11. Et ben c'est parfait. Waouh, c'était tout juste. Attendez l'argent. C'est le barbu. Rowena a déclaré que Borden était l'assassin. Maman. Ce que je peux faire. C'est encore de parler à Grindan en lui donnant de l'argent, ce qui me reste en fait. Alors attendez, je vais avoir confirmation. Hey, j'ai de la chance là. Borden avait l'air très suspect l'autre nuit, il doit être le coupable. Grindan pense que Borden est l'assassin. Bon bah c'est Borden. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. L'attitude hésitante de Borden disparaît en un instant. Avec un rictus, il dégaine sa lame. Vous avez fait une grossière erreur, mercenaire. Vous avez démasqué l'assassin. Oui, on y est arrivé. Maintenant, bah, il va y avoir un sacré combat.
Borden mobilise des sbires de la guilde. Ouais, mais j'ai le compagnon cette fois-ci. Bon, là on va prendre notre temps, hein. Il n'y a pas de durée limitée. Voilà l'assassin. Borden le suppresseur, le serviteur fidèle du père Galfry. J'essaie de me rapprocher de mon comparse pour de déclencher son... Voilà. Non, non, non. Bah non, mais ils étaient deux là. Mon ami a déjà besoin de animer. Allez, on se concentre. Ah, mais j'avais le doigt dessus, on a un chien rond. Oh, allez. Pour l'instant, je me concentre déjà. Voilà, tiens. Voilà. Allez, on assure le coup. Oh. Oh non, c'est pas possible. Allez, Colbjorn, défonce-le, oui. Le coup de grâce. Finalement, yes, ah. Le combat étant terminé, vous vous rendez compte que le père Galfry se tient à vos côtés, impassible, regardant le corps de Borden. Quel dommage. Je vous suis reconnaissant pour votre assistance. Il place un lourd sac de pièces d'or dans votre main, puis retourne à sa place près du feu. More cards, more choices, more tokens to unlock. Pour avoir survécu à votre incursion dans la guilde des voleurs, terré dans leur terrier. Trésor perdu. Liseuse de bonne aventure, maison de commerce et ruelle sombre. Pour avoir survécu à votre incursion dans la guilde des voleurs, cri de victoire, la folie des voleurs, masque de fortune sacrée, lames sacrificielles. Pour avoir exploré les terres, vous avez reçu des provisions supplémentaires. À ma main, de l'or, de la vie et l'anneau du marchand.
Et voilà, nous avons finalement réussi le défi, la mission. Hiérophante, maman. Je pense que la semaine prochaine, bah, on recommencera l'empereur. On va essayer de faire les amants, le chariot. Voilà, bah écoutez, si on arrive à faire au moins un défi par semaine, eh ben, ça va nous prendre du temps pour faire le jeu. Mais la difficulté est au rendez-vous, maman. Je pense que je vais en rester là pour ce soir. Je vous remercie d'avoir assisté. J'espère que ça vous a plu malgré les quelques grognements et difficultés. Je vais remercier également Artegon qui était là, qui m'a quand même soutenu de sa présence. Artegon, bonsoir. Pas de souci. Maman. Et quant à moi, bah, je vous donne rendez-vous demain soir à 21h et vendredi, je crois que c'est The Witcher 3. On va se retrouver également pour une petite session. Et samedi, n'oubliez pas, à 21h30, le prochain épisode, le nouvel épisode de Batman. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne soirée et à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Bye, bye.